nous sommes maraîchers, donc on fait que du maraîchage, on n'a pas d'élevage. On est installé dans le Tarn, entre Gaillac et Montauban, tout à fait pile poil au milieu. Donc ça fait à peu près, à vol d'oiseau, j'en sais rien, mais en kilomètres, c'est là-bas. Ça doit faire 40-45 kilomètres d'ici. C'est quand même relativement local, on va dire. Donc nous sommes installés depuis 4 ans. Enfin, c'est la cinquième. On va mettre en production là pour la cinquième année. Donc on travaille seulement tous les deux sur 1,7 hectare, donc de légumes, dont bientôt 2000 mètres carrés de serre. On en a encore deux, une double à monter, mais voilà. Donc pour le désherbage, nous, voilà, en bio, on n'utilise pas les désherbants, donc on a quand même 1,7 hectare à désherber. C'est énorme. Donc c'est comment ? Ouais, on met pas non plus de paillage plastique. Par rapport à la quantité de travail, on ne s'en sortirait pas à deux. On a pas mal d'aides, de coups de main, de woofers, de bénévoles qui viennent passer 15 jours, 3 semaines. C'est un échange de services. Ils sont logés, nourris. Et donc, ils nous donnent un coup de main le matin. C'est vrai que sans eux, on ne s'en sortirait pas parce que c'est énorme à deux. Hein. Alors, le bio, oui, c'est un peu plus cher, effectivement, parce qu'il y a des coûts de production beaucoup plus élevé et de la main d'œuvre. Voilà, les carottes, nous on les désherbe à la main, donc les semences, enfin les carottes, pas que les carottes, quoi, on désherbe tout à la main. Le désherbage, c'est un gros, c'est le gros poste qui prend un temps énorme, quoi. Bon, des fois on se laisse un peu envahir par l'herbe. Il vaut mieux pas, mais des fois, ça arrive. Après, c'est vrai que donc nous, bon, en bio, il faut expliquer que on est contrôlé par un certificat, qui s'appelle un organisme certificateur. Un organisme certificateur, EcoCert pour nous. Il y en a plusieurs, il y en a d'autres. Hein. Donc ça, c'est un coût aussi. Ça nous donne le droit de mettre le logo AB sur notre production, et ça nous donne le droit aussi d'avoir deux contrôles par an, donc ils peuvent contrôler un peu tout ce qu'ils veulent, hein. Ils peuvent, les factures, les poubelles, hein, si ça leur dit, pour voir s'il n'y a pas de bidon de désherbant, voilà, ils contrôlent, quoi. Mais c'est bien, il faut qu'ils contrôlent. Donc par rapport au coût de production, c'est vrai que bon, c'est le terreau qu'on achète pour les semis est bio, donc c'est beaucoup plus cher que le terreau conventionnel. Les semences sont bio, et les intrants, parfois ils nous arrivent, bon, on produit principalement avec du fumier. Mais il nous arrive d'acheter de l'engrais organique, donc bon, bah voilà, c'est un coût.